Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer l'exercice que j'ai envoyé aujourd'hui. C'est un petit exercice de mathématiques. Donc on va compter. Donc sur le dessin, on a des petits poussins. Et les petits poussins, eh bien, ils ont très très faim. Ils piaillent. Piou, 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 et ils ont très très faim. Alors il va falloir leur donner à manger. Mais en fait, sur chaque petit poussin, il est écrit un chiffre. Alors votre maman ou votre papa va vous dire ce chiffre-là. Et on va essayer de compter pour donner autant de graines que le chiffre écrit au petit poussin. Alors, moi j'ai trouvé des graines de courge, mais vous pouvez donner ce que vous voulez à votre petit poussin. Ça peut être d'autres petites graines, des maïs, du blé, ce que vous avez chez vous et que vous ne laissez pas sans surveillance à votre enfant. Donc, on va regarder le petit poussin numéro 1. Donc, il a un 1. Sur lui, un 1 écrit ici, 1. Alors, une graine, 1, et eh bien c'est ça, d'accord? Alors ça, c'est un petit exercice aussi qu'on a fait en classe, mais avec d'autres choses, où il fallait, pareil, compter. On avait fait aussi du comptage de petites graines. Donc ça, en fait, ils peuvent le faire normalement assez facilement. Alors, le deuxième petit poussin, eh bien, il veut 3 graines. Donc, on va lui prendre 3 graines. 1, 2 et 3. Voilà. Et on va lui mettre devant lui, comme ça, ce petit poussin, paf, c'est bon. 1, 2 et 3. Il a 3 petites graines. Voilà. Et donc, vous continuez après. L'autre petit poussin, il a besoin de 2 graines. Et celui-là, 3 graines. Voilà.